est sur des tenues hivernales ici, c'est un truc de ouf. Ça, profite bien de la pluie, Safia Pierps. Allez, tête en arrière. Alors, je sais pas du tout vloguer, c'est ma première. Je vais vous montrer le temps qu'il fait ici, parce que je pense qu'à mon avis, ça, je vais plus du tout connaître pendant quelques mois. Ah là 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 là, quel team incroyable! C'est qui ce streamer? Ah, écoute, Natsu FRS, tu connais, hein? Arrête de me filmer là! Arrête! Non! Ça, c'est les macarons que Will a fait. Grave. Je les ai mis dans une petite boîte et tout. Ça, c'est un chat un peu bizarre. C'est-à-dire que pour manger, elle m'appelle pour que je la caresse. Sinon, bah... elle mange pas. Pourquoi tu fais pas la mise au point? Fais un bisou à la caméra. Oui. Comme ça, quand tu vas me manquer, je regarderai et je me dis, tu fais des bisous à moi. Putain, je suis un bébé. Petite forme quand même, non? Bon bah, je vais aller peser ça. Alors, je voulais te dire que je t'aime et que tu vas me manquer fort en fait. Allô, mais pourquoi tu me regardes pas quand je te fais des mots d'amour? Rendez-vous dans 10 ans. Ah, au parking d'Avardieu. On se garde au parking d'Avardieu. Oui, mais on s'en bat pas les couilles, on est en train de discuter. Rendez-vous dans 10 ans. On est en train de se mal. Du coup, je suis dans l'avion, mais je suis stressée. Ah bah même pas entendu. Est-ce que t'es stressée? Pas du tout, mais quand je te vois, oui. J'ai un peu de temps. Quand je te vois, oui. J'ai... Non. Ah, je crois que t'as dit... Non, j'ai envie de... Non. C'est ça. Pas d'écran. Attends, c'est bon, regarde. C'est plutôt dur la vie, non? Je sais pas ce que vous en pensez. Vous pouvez constater le petit salon, avec évidemment à Dubaï le sol en marbre. La petite salle de bain, qui est grave stylé quand même. Coucou. Là, il y a la chambre de ma tante. Et là, il y a la chambre qui est un peu en bazar. Deux baies vitrées. Petit sol en marbre. Petit dressing. Enfin bref. Au niveau de la vue, bon bah j'ai rien de spécial à vous montrer, hormis le fait qu'on est dans le désert. Hein. That's the desert. That's the desert. C'est flou. Je suis trop nulle en vlog parce que déjà premièrement j'avais dit que j'allais faire plein de scènes et plein de plans pour pouvoir faire un super vlog. Mais je suis pas du tout à l'aise avec le fait de parler devant une caméra. Donc il faut laisser le temps au temps. Et secondo, j'avoue que quand je suis arrivée ça a été un peu sportif. J'ai pas forcément pensé à le faire mais je vous fais un petit check-up maintenant. Du coup là comme vous pouvez le constater je vais aller à la salle de sport. Depuis que je suis arrivée il n'y a pas grand chose à raconter. Si je me mets comme ça c'est peut-être mieux. Il n'y a pas grand chose à raconter depuis que je suis arrivée, hormis le fait que le premier soir, quand je suis arrivée, j'étais un peu déboussolée et je dirais même
que j'ai eu un coup de blues avec des envies de pleurer en fait, sans forcément contrôler. Un peu bizarre, mais bon, bref. Deuxième jour, on a profité de la piscine avec ma tante. Troisième jour, et le soir, excusez-moi, et le soir, je suis sortie dans Dubaï pour aller visiter le Dubai Mall, voir le Burj Khalifa, et c'était juste incroyable. Et troisième jour, salle de sport, piscine. Aujourd'hui, je m'apprête à aller à la salle de sport. Et ce soir, à 6h30, on doit être à un hôtel, je sais plus exactement le nom, pour un débrief, un débrief avant de travailler. Donc je travaille ce soir de 19h à 4h du matin. Je pense que ça va être cool, mais je suis un peu stressée. Voilà, je suis très très nulle en vlog, va falloir vraiment ne pas trop m'en vouloir. Parce que Frenchemin, voilà, c'est tout. En fait, dans les pompes à essence de Dubaï, c'est les gars qui mettent de l'essence. C'est incroyable. Au revoir, Energy for Life. Thank you. Je crois qu'il y a une mouche qui est en train de la voiture. Oui, oui, t'inquiète. T'as dit les pleins, c'était combien les pleins d'essence normalement? 8 euros. Et là, on a payé 15 euros. 15. En plus, ça va. 15 euros le plein. 2 euros les cigarettes aussi. Et 8 livres. Et 500 euros le repas au C'est la vie. On était hier au SLS. Non, mais non, faut contrebalancer, tu vois. Genre, le reste, c'est pas cher. Elle est encore là? Ok. La mouche? Non. Je crois qu'elle va sortir, elle va mourir à mon avis. Quand on va partir. Faut que je fasse une story parce que genre je trouve que c'est trop bien rangé ici. C'est incroyable. Regardez-moi comment il est incroyable le Carrefour. T'as déjà vu un magasin aussi bien rangé genre? Ça parce que tu vois la How do you say that in French? How do you say that in French? No, the brand. Ah, le président Macron. Président Macron. Non mais nous on veut des abdos. Donc du coup on va se diriger vers les bananes. Non mais je vais quand même prendre un cake. Hein. Quoi? Non mais tu sais de temps en temps. C'est à la mode sur TikTok de boire du torch. Donc je pense que ça c'est du jus de grosse olive. Du jus d'olive, wesh. Hello. Hello. Are you? Hello.
Wesh frérot, parle-moi. Hello. Non, il parle pas. Ah si, il parle. Ouais bon, il y a trop de monde déjà, donc je peux pas vous montrer, mais je crois qu'il parle. Hello. 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 Dépêché de filmer parce que j'aime pas filmer les gens, j'ai une sale tête de merde. En fait, je montre juste à ce moment-là les petits messieurs qui te mettent les courses dans le sac. Et j'en ai beaucoup parlé de ça. Direction, pas la plage, direction Global Village. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une sorte de parc avec tous les pays réunis, entre guillemets. Et l'entrée ne coûte que 3€. C'est cool de ouf. Le monsieur avec la poubelle sera dans le plan, c'est cool. Mmh. J'ai dit le monsieur avec la poubelle sera dans le plan. C'est là où tu mets OK. On est d'accord. En fait, si on a créé les fils, c'est pour quelque chose. Quoi ? Moi, je m'en fous. Je vais me faire engueuler mais je m'en fiche. Pourquoi ? Bah tout le monde filme en fait. Ouais parce que chaque fois ici on se fait engueuler quand on filme. Non, c'est que t'avais une caméra. Global Village. Je suis une vlogueuse en carton, enfin je suis même pas une vlogueuse. Là je vous montrais juste un stand avec que de l'avocat. Il y avait de l'avocat en glace, il y avait des avocats frits, et l'avocat frit, la vérité, une tuerie, vraiment, un truc de ouf. Non, je vais juste vous faire coucou en fait, c'est tout ça. Vous appuyez où ? Bah ça y est, ça filme en fait. Oh. C'est tout, voilà. Ok, d'accord. Non, mais ça va tout ça, ça. Bon bah c'est bon, c'est juste pour faire coucou. Voilà. C'est bon, j'ai fini. Bah oui, mais je sais pas quoi faire. Deux secondes. Voilà, c'était un dragon. C'était un dragon. La Chine, la Thaïlande, je sais pas. Je me pose dans un endroit qui, ma foi, n'est pas très pratique, mais bon, c'est pas grave. Oui, donc du coup, je vous disais, c'est mon dernier jour à Dubaï. J'en ai pas forcément parlé parce que je voulais faire la surprise quand je revenais en stream en mode hey, coucou, c'est moi, je suis en France et vous vous y attendez pas en mode, c'est ça. Mais du coup, je continue mon petit vlog et du coup, on est au dernier jour à Dubaï. C'est vrai que le départ a été un peu précipité et en fait j'avais super hâte de rentrer et en fait au final aujourd'hui j'ai un coup de blues un peu bizarre. Je me dis putain c'est mon dernier jour à Dubaï, demain je vais avoir froid, bref.
dis donc. Oh, oh bah, Safia. Mais non, mais. Safia. Mais non, mais. Mais attends, mais c'est vraiment. C'est qui? Attends, mais t'es qui toi? Je suis pas IQ. Mais non, arrête. On a accompagné. Depuis combien de temps tu fais ça dans la vie? Que j'attends des gens avec des cartons? Bah, les deux. Modérateur, qui t'attend les gens avec des cartons. Modérateur, ça va faire 2 mois. Ouais. J'attends des gens avec des cartons toute ma vie parce que je n'ai pas de travail. Ok. Donc, du coup, à l'arrière, j'ai mon CV. Voilà, c'est voilà, un peu. Donc, tu cherches du travail, hein, n'hésitez pas en fait. Et là, on a Elsa, bah là, j'ai. T'as allô? En téléphone, c'est sa spécialité. Mais j'ai pas pu le prendre parce qu'au début on est parti en loco. Du coup, voilà. Ok. Attends, je fais les plans. Attends, là, je suis pas dans le sac là. Tu dois faire prendre quoi? Bonjour, en fait, bah, présentez-vous. Bonjour, enchanté. Un prénom factice. Mais je sais pas si vous vous rendez compte, c'est quoi sur SRD? Oui. Ah, je sais même pas si on me voit parce que tu sais, moi je suis pas une vraie youtubeuse donc je sais même pas si on est dans le cadre social. Genre voilà. Et là du coup je vous explique, on a le modérateur qui est en train de rectifier leur surprise parce que du coup il a écrit mon nom de famille. Mais vous avez vu qu'on va pas mettre mon nom de famille, c'est pas possible. On disait la Mésopotamie en 2020. Actuellement, avec la commune, au pire la chaise, y'a rien qui va. Au pire la chaise, et ça. Attendez, on est au pire la chaise. On fait la danse. On est au pire la chaise. Pourquoi? Wesh, les morts, ça va ou quoi? Tiens-moi ça. Allô? Vas-y, bah dans... tu me... Attends, dans un cimetière là? Bien sûr que oui. Sur la pierre? Wesh. Mais c'est quoi ce... Mais c'est quoi? Allô? Tiens. C'est... T'as fait un roulage dessus là. Qu'est-ce qui vient de se passer? Une distraction comme une autre. C'est une tradition en fait au Père Lachaise. On fait les boulettes de père en fils. Je suis dans... Qui aurait pensé que je serais dans un cimetière? Tu vois celui avec la porte ouverte? Avec ouais. Que vraiment un ça. Je veux dire, à un moment donné... Vas-y, fais ta part. J'ai envie de montrer ma tête, mais non. Ça me plaît, hein? Non. Ouais, oh, t'es bien, ça fait rien. Je suis sûre que